J'arrive au rucher de Crone, il est 15h30, je pense. C'est vraiment assez, il fait très chaud. Je suis venu faire une petite observation. On voit que ma fontaine fonctionne très bien. Il ne faut pas que je me mette devant le capteur. Jolie fontaine. C'est très bien, l'eau ne tombe pas à côté, c'est très joli. Bon, je vais voir dans les tentes. Qu'est-ce que je vais trouver? Il y a un petit peu trop d'abeilles, peut-être, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun frelon. Hein. Pas de frelon dans les tentes. Un frelon qui chasse devant la ruche panier, toujours derrière. Il se rappelle peut-être que c'était le bon endroit avant. Mais là, je crois pas parce que il n'y a plus d'abeilles derrière, normalement. Un petit peu trop d'abeilles dans la tente. Pas de frelons captifs. Rien dans la tente de la ruche horizontale. Il faut que je généralise les mousses pour mettre des espaces et laisser les abeilles sortir du toit plus facilement. Bon, pas de frelons, donc je ne peux pas observer l'influence des miroirs. Je crois qu'il faudra que je retire. Voilà, c'est quoi ça? Ah, c'est pas commode l'installation du miroir. Je pense qu'il va falloir que je retire les miroirs et que je les mette à Montgeron, où il y aura plus d'observations à faire. Ici, c'est un rucher qui est ignoré par les frelons déjà depuis maintenant plusieurs jours. Donc je viens. Mais bon, il y a zéro pression. Hein. On va mettre ça sur le compte des tentes, hein, c'est quand même le plus logique. Et les frelons qui aiment bien quand même venir encore sur la ruche panier. Hein. Là, par exemple. Ouais, il y en a deux même. Deux frelons sur la ruche panier, ils ont dû bien s'habituer. Voilà, c'est ce que j'attendais. Le frelon circule un peu dans le rucher. J'espère qu'il va aller sur une autre ruche. Les miroirs ne gênent pas du tout les abeilles pour rentrer dans les ruches. Pour sortir, il faudrait vérifier. Le frelon est derrière les deux tentes du milieu.
L'accumulation d'abeilles en haut de la tente fait que le frelon ça s'intéresse aux abeilles à travers le voile. Bon, il va finir par trouver l'entrée devant la ruche, normalement. Vraiment un tout petit frelon qui virevolte devant la 1, 2, 3, 4e tente. Il est vraiment petit ce frelon. Ouais, il est monté en haut de la tente là. Il est là. Hop. Hop, il est tombé. Il est tombé, il est ressorti. Bon, il n'y a vraiment rien à signaler. Je pense que je peux y aller. Il se passe rien du tout. Il n'y a pas de frelons. On est en pleine journée. Il fait très chaud. Peut-être que les frelons ne chassent pas à cette heure-là. Ça va pas là. Ce miroir mis comme ça me plaît pas trop, vraiment. Allez, je me débine. Fin de la vidéo.